Atelier d'écriture André-Julien Bem. Bonjour Monsieur Pierre Camille. Bonjour André. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un entretien sur vos travaux universitaires qui résonnent par rapport à une actualité très récente, celle du Cameroun. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un mot sur votre parcours et vos travaux en fait? Ben, je suis un enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à l'Université de Valenciennes et je suis également enseignant à l'université de Yaoundé Soa. Mon statut administratif, qui est donc enseignant-chercheur, je crois recouvre assez fidèlement mon activité courante. C'est-à-dire qu'en réalité, je fais des recherches dans une spécialité qui est en réalité l'économie politique. L'économie politique, c'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qui permet de rendre compte avec des paradigmes économiques, les comportements politiques et le fonctionnement des systèmes politiques. Et c'est donc ce qui m'a amené à appliquer cette méthodologie, en particulier sur l'histoire de notre pays, en essayant de rendre compte de cette histoire, en le dépouillant de tout le sentimentalisme qui l'entoure habituellement. Avait produit deux travaux majeurs dont la particularité est d'aller au-delà des discours établis et d'examiner les faits pour ce qu'ils valent et seulement pour ce qu'ils valent. Vous avez écrit Cameroun du protectorat vers la démocratie 1884-1992. Vous avez écrit un ouvrage majeur, Les grandes crises du régime Biya, et un troisième ouvrage, De la rébellion dans le Bamiléké. Toujours avec ce souci de faire œuvre de science. Qu'est-ce qui justifie cette ténacité-là? Alors, je pense que ma motivation première dans tout ce que j'écris, c'est d'essayer de sensibiliser ou bien d'éclairer mes jeunes compatriotes sur l'histoire de notre pays pour qu'ils puissent en tirer parti pour éviter tous les traumatismes qui ont accompagné les grandes transitions politiques au Cameroun depuis plus d'un siècle. Vous avez tout à l'heure dit que j'ai en fait publié un livre dont l'intitulé était Les grandes crises. En réalité, le titre exact, c'est Les crises majeures de la présidence Paul Biya. Et j'entendais par là revenir sur les 10 années, les 10 premières années du président Paul Biya, qui, à mon sens, sont 10 années de crise, une succession de crises emboîtées, et qui déterminent beaucoup les aspects ou bien les événements que l'on observe aujourd'hui. Donc voilà un peu. Et puis, je voudrais aussi rajouter que mon premier ouvrage que j'ai publié, c'était La quête des libérations politiques au Cameroun. Donc en réalité, ça fait 4 ouvrages chez L'Harmattan, qui est mon fidèle éditeur. Oui, je ne peux pas m'empêcher de venir sur l'actualité politique camerounaise récente. Parce que je me dis, le chercheur, l'universitaire que vous êtes, l'enseignant que vous êtes, c'est d'apporter votre éclairage et peut-être de mettre des lumières et de baliser un peu les chemins pour que nous voyons plus clair dans certaines choses. Le Cameroun vient de connaître une certaine agitation, à la fois politique et sociale. À la lumière de votre travail sur les crises majeures de la présidence Paul Biya, est-ce que l'on peut en quelque sorte trouver des explications dans les travaux que vous avez entrepris antérieurement sur ces crises que nous venons de vivre? C'est toujours très prétentieux de dire que l'on a prévu des événements qui sont par essence imprévisibles. Mais je crois que s'agissant des événements auxquels vous faites allusion, qui sont les événements, en réalité, les premières émeutes du renouveau, c'est vrai que dans l'ouvrage que j'ai écrit et dont vous rappeliez le titre, Paul Biya, dans les crises majeures de la présidence Paul Biya, il y a des éléments qui, effectivement, pouvaient laisser deviner. Encore que là, je suis toujours très réservé
quand il s'agit d'utiliser mes propres travaux pour essayer de faire de la prospective. Mais je reviendrai dans un ouvrage qui va paraître probablement au mois de février 2009, spécifiquement sur ces événements à cette occasion-là. Peut-être que je ferai référence à des éléments qui laissaient à penser que c'était prévisible, mais je crois que c'est très prétentieux de dire que j'ai prévu ces événements-là. C'est probablement pas le cas. En revenant sur l'ouvrage que je vais publier prochainement, je mettrai en exergue les éléments de mes précédents ouvrages qui pouvaient aider à comprendre ce qui s'est produit dans notre pays au mois de février, qui sont, à mon sens, les premières émeutes du régime du renouveau. D'ailleurs, je pense que le titre de l'ouvrage ne sera pas loin d'un titre comme celui-là, c'est-à-dire en définitive « Les émeutes du renouveau ». Vous avez parlé de prospective tout à l'heure. Et moi, ça me passionne beaucoup, la prospective. Je crois qu'on ne puisse pas faire de la divination en politique. Hein. Mais je me pose une question, je pose la question suivante. Selon vous, est-ce que vous voyez dans les mois et les années à venir la possibilité pour le Cameroun d'évoluer vers une situation apaisée? Si oui, à quelles conditions? Alors, ce qui s'est passé au premier trimestre de l'année en cours est plutôt de nature à crisper les acteurs sur la scène politique nationale, parce que à la différence des événements qu'il y a eu en 1990, bien que le président Paul Biya ait été reconduit au mois d'octobre 92, le consensus était dégagé sur le fait que l'alternance politique était en quelque sorte organisée et admise. Et donc les événements de 92 avaient ceci de particulier que ça ouvrait la perspective d'une alternance politique par la voie des urnes. Et la réforme de la Constitution qui s'est produite au premier trimestre laisse plutôt à penser que cette perspective est fermée. C'est donc de nature à crisper les acteurs politiques et peut-être à accroître les tensions dans l'espace politique. Donc, faire de la prospective, alors peut-être que ce n'est pas de la prospective, mais j'ai le sentiment que les perspectives sont plutôt crispantes, si je puis m'exprimer ainsi, plutôt qu'apaisantes. Nous ne pouvons pas parler du Cameroun et de la situation sociopolitique sans parler de l'opposition. Oui. Il y a une opposition au Cameroun. Oui. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, cette opposition-là, elle est à même de remplir les conditions qui lui permettent d'apparaître comme une force d'alternance? Alors, il faut parler de l'opposition de façon dynamique. Hein, l'espace politique est quelque chose de mouvant et les acteurs que vous recensez dans l'opposition actuelle ne sont pas nécessairement ce que l'on recenserait si la perspective d'une alternance politique devenait imminente. Et donc le parti qui est au pouvoir est un parti composite et historiquement composite. Il y a des acteurs majeurs. D'ailleurs, ce qui se fait aujourd'hui au Cameroun, le processus judiciaire qui est en cours au Cameroun intègre l'élimination, en quelque sorte, de la course du combat politique d'un certain nombre d'acteurs que l'on ne recense pas de façon traditionnelle comme étant des opposants, puisqu'ils sont des personnalités importantes au sein de l'appareil d'État ou au sein du parti au pouvoir. Donc, je ne réfléchis pas en termes statiques lorsque je pense l'alternance au Cameroun. C'est un espace politique que l'on ne peut pas cloisonner comme cela en mettant des frontières, opposition, majorité. Non, c'est très composite et l'alternance peut venir de personnalités qui aujourd'hui ne sont pas catégorisées comme étant des opposants. Monsieur Pierre Camé, atelier d'auteur, les éditions L'Harmattan vous remercie infiniment, d'abord pour le brio de votre analyse qui, de mon modeste point de vue, balaie le champ politique camerounais, dégage des perspectives, permet de comprendre un peu les événements que nous vivons et surtout
de garder espoir en pensant que, avec des regards comme les vôtres, peut-être les uns et les autres pourront se mouvoir avec beaucoup plus d'intelligence. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Cameroun, du protectorat vers la démocratie, 1884-1992, aux éditions L'Harmattan. Les crises majeures de la présidence Paul Biya, toujours aux éditions L'Harmattan. De la rébellion dans le Bamléké, toujours aux éditions L'Harmattan. Et un quatrième, qui est le premier en réalité et qui s'intitulait « La quête de libération politique au Cameroun ». Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie infiniment. Je ne pense pas mériter tous les compliments que vous m'avez adressés. Et bien au contraire, je remercie toujours Lamartan qui est un éditeur militant. Merci.